choose your character. Oh, bonjour à toutes et à tous, bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 sur Anno Mutationem. La dernière fois, alors on a enquêté un peu sur notre frère qui est un peu disparu entre guillemets, c'est chelou, on a été chez lui et on a pris quelque chose, un message je crois, je sais plus. Et entre temps on s'est fait piquer les messages par des méchants et les méchants ils nous attaquent. On est sur les toits, on se promène sur les toits des buildings et tout, des cyberpunk. Et il faut absolument rattraper le méchant. Voilà. C'est parti pour la suite. Bien évidemment, si vous n'avez pas compris mon résumé, je vous invite à regarder cet épisode. Voilà, tout simplement. En tout cas, un jeu fort sympathique, avec une ambiance folle. Voilà, la direction artistique, je la trouve folle aussi. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous plaît. Et j'ai vu que je pouvais apparemment acheter une amélioration, on va aller voir ça tout de suite. Alors le Factio Pugni a lancé son cinquième assaut ce mois-ci, le président Jen a une fois de plus poussé l'agenda du maintien de l'ordre à Noctis. Alors, on va pouvoir améliorer normalement des trucs. Ah, attendez, excusez-moi, on m'appelle. Les gens, excusez-moi, oui, petite interruption. J'ai reçu un coup de téléphone. Voilà, du coup, j'en étais où? Oui, alors je voulais acheter des trucs. J'ai vu que je pouvais m'acheter des trucs. Est-ce que j'ai 103 de points? Je sais pas si on peut dire. Enfin, des trucs bleus là. Et du coup, j'avais vu quoi? C'est... Ah oui, un contre parfait, on peut se l'acheter, c'est ce que je pensais la dernière fois, je dis putain ça serait bien qu'il y ait un contre parfait, on peut peut-être se l'acheter, j'avais peut-être dit dans un épisode précédemment. Du coup, appuie sur L1 juste avant qu'une attaque n'arrive pour ignorer les dégâts et exécuter des contre-attaques. Ce qui est bien c'est que ça ignore les dégâts là. Et du coup je pense que je vais me l'acheter tout de suite. Ça pourra bien m'aider. Augmente votre puissance d'attaque pendant un laps de temps après une déviation réussie, ok. Alors là après ça coûte plus cher, il me reste que 50 points. On réduit le temps de recharge du pistolet. Charger vers l'avant pour infliger des dégâts aux ennemis sur votre chemin. Lorsque vous équipez l'épée légendaire, appuyez sur avant carré. Ok. Pour l'instant, je vais juste garder mes poids parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai juste pris le contre parce que ça peut être pas mal de faire ça. Et c'est parti pour la suite. Il y a un truc là, non? Ah non, je peux pas la roue. Ok, alors les mecs ils ont des ils ont des points d'acier quoi. C'est parti pour le fist fucking. Oula. Ah merde, j'ai essayé de faire un contre parfait mais j'ai pas réussi, je vais mourir. Le katana. Et katana. Oh putain. Ah, je peux même pas les faire envoler en l'air. Katana! Oui, yes! Oh, par contre, toi, t'es pas. Oui! J'ai réussi à faire le contre! Yes! Amélioration de Grom. Les talents liés aux statistiques de personnages dans le système Grom doivent être améliorés avec l'amélioration de Grom. D'accord. Eh, mais j'avais une super fatality à faire! Du coup, alors attends, j'ai pas compris, ok. Ah d'accord, et ça c'est les trucs rouges. Ok, alors t'as des points bleus, t'as des points rouges. Ok, les trucs basiques, d'accord, je viens de comprendre. Ok, alors augmente la taille de mon pénis, du sac à dos. Ah, je suis une femme, augmente la taille de ma poitrine. Elle est déjà assez grosse comme ça. Augmente la puissance d'attaque de 10, augmente le PV maximum de 50, augmente la défense de base de 10, augmente la chance de... Ok. Et tout ça, ça vaut un point. On va peut-être augmenter la puissance. Ah, j'existe entre la puissance et les PV. On va prendre les PV, hein. Ok, d'accord. Et on va peut-être manger un petit truc. Attends, est-ce que si j'augmente les PV, ça me redonne ma vie ou pas? Non, bien évidemment que non. De toute façon, hop, voilà, je peux reprendre de la vie avec ça. Et je faut pas que j'oublie que j'ai des grenades aussi. Que je vais souvent oublier. Hop! J'ai toujours envie de faire un double saut. Ok.
Elle monte très légèrement, pas très vite les échelles alors le temps qui presse. Oh d'accord, elle a appelé un Metal Gear. Attends, tiens, oula. Oula, ok. Aïe, ah oui d'accord, oui, mais si je me rapproche aussi. Hop, alors attention, ils font sur moi, ok. C'est un gros boss. Le katana. Il faut que je fasse gaffe. Ah mais, oh, un petit rôde. Ok, alors on va esquiver ça, ok. Oh putain, il m'a tiré dessus, il en a profité, petit drone. Hey, il y en a le petit. Cassez-vous. Attendez, je m'occupe des petits parce qu'ils vont me faire chier. Hop. Hop, Katen. Hop là, esquive. Aïe, aïe, j'ai touché le petit drone, j'ai pas fait exprès, j'ai vu. Ça m'a visé automatiquement le petit drone. Oula! Le jeu, il me connaît bien. Oulala. Et toi, casse-toi! Hop. Bon, ça va, il est assez simple comme boss. Je galère plus avec les petits soldats qu'avec un gros boss. Ah, c'est le bar de nos chelottes. Oh, j'aime bien le t-shirt du mec, le débardeur avec un serpent derrière. Il est trop mignon. Eh, magnifique, un autre cocktail. Alors je crois que ça va être mal traduit. Je sais pas, mais c'est bizarre qu'il dit est magnifique. Ouh, cette grosse épée, cette grosse clé mort là. Lui, s'il te plaît, on n'est pas mariés, arrête de m'appeler chérie. C'est ok. Bon, on a survécu en même temps. Oh, cette grosse épée. C'est l'arme de Berserk. Oh, elle est un peu ronde aux bouches, déçu. Ah bah oui, c'était une partie du robot, je me comprends. Est-ce qu'elle fait tronçonneuse aussi? On n'est pas content. Modèle d'épée C4. Okay, ah, c'est triangle, ok, d'accord, maintenant j'ai triangle. Oh, la grosse épée. Oh bah d'accord, il peut sauter le machin. Aïe, oui d'accord. Elle est plus lente d'attaque, ce qui est normal. Oh. Ok. On peut pas la charger apparemment cette attaque là. Attends, si je lui jette une grenade. Et merde. Oh, ça a touché quand même. J'ai touché quand même. Ouh, elle est lente même en l'air. Ouf. Oula. Ah oui, elle est vraiment lente. Et une fois que t'attaques, tu peux pas esquiver. Hop, petite grenade dans ta gueule. J'utilise parce qu'à mon avis, il faut l'utiliser pour retirer. Ça va être... S'il retire plus facilement les boucliers.
Attends, reviens ici. Alors pour utiliser Katsana. Ah, oh, d'accord, je suis pris quand même. Ah, ça va toucher, putain. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là, attends. Bon, attends, on va attendre qu'il ait fini. Voilà, ce qui vient de s'énerver. Ah, je viens de remarquer qu'il avait une vie au-dessus. Snake, bravo. Une vie et une barre de bouclier. Je viens de le remarquer que maintenant. On va reprendre un peu de vie. Hein. Oh là. Oh bon, d'accord. Oh, attends, attends. Oh là là là, il s'énerve, il fait tournicote, il tournicoton. Voilà, c'est bien. On va utiliser la grosse épée. Hein. Oui, je peux le finir avec une fatality. Oh. Oh! Explosion! Michael Bay était dans son robot. Ah, elle est pas bien. On rappelle qu'elle est malade. Bébé. Oh putain, mais on est vraiment en couple ou J'ai l'impression quand même. Dans cette ville reconstruite sous un tout nouvel ordre, les personnes infectées par le virus américain obtiennent des bioskins gratuits. Oh, vous êtes malade, vous avez le Covid, vous allez peut-être mourir, mais on vous offre des petits skins gratuits pour vos persos dans Fortnite. C'est gentil quand même. Ok. Oui, tout à fait. Soだったのか. Jōhōが入って suguni kakesuketan da ga. Anata ga konakereba an wa abunakatta kamo. Kono ko wa itsumo isshōkenmei da. Zutto kou da. Kawaranai na. Kore ja tsukarete shimau daro. Rei, Ranye no yukue o sagashite kurenai? Jōhō ga haittara renraku suru yo. Chotto kyūyō de saki ni ikanai to.近くの街でゾンビ暴走事件が起きてな。鳥の。あ、いや、で、ゾンビ押し。黒服の者が目撃されて。今捜査をしてるんだよ。鳥の面?中世の防毒マスクのようなやつだな。そっか。レイ、気をつけてね。体の調子はどうなんだ?時間ができたら様子見に行くぜ。評判のいいイタリア料理店を見つけたんだ。今度一緒に行かないか? 家政婦さんがよくしてくれるから心配だないわ。レイ。Ces silences entre les scènes, c'est un petit peu gênant, je trouve. そろそろ時間だな。もう行く。あんたたちも気をつけるんだぞ。もしもの時は連絡しろ。うん。私とダーリンは必ずやれるよ。いつもみたいに。J'adore le caractère design de ce perso. Il est stylé. ここ目が覚めたのね。ロムは私なぜここに。レイが助けてくれたの。そうだったのね。余計なお世話。そんなこと言わないでよ。命の恩人なんだから。ダーリンが倒れて私本当に心配したんだからね。そう。ダーリン冷たいな。 Oui, d'accord, qui est une stalkeuse, ok. Elle est malaisante, elle, quand même. Ah, ok, d'accord, ok. Alors,
Ce serait un homme, ce serait gênant, mais si c'est une femme, ça va. Elle me fait un peu peur quand même, hein, cette demoiselle. Hein, hein, quand même, faut faire. Oh! Le consentement est connu ou pas? Secours. Ah oui, on peut changer de vêtements. On peut peut-être changer de vêtements. Hein. On peut mettre la combinaison de combat, mais bon. Oh, la petite combinaison science-fiction, elle a l'air stylée. Alors, je vois un vêtement, parce qu'on a su assez. Waouh, elle a changé sa couleur, ça change la couleur de cheveux. Ah oui, ça change complètement sa coupe aussi, mais il n'y a pas que la tenue, quoi. Ou par contre, ça fait un. C'est très moulant, c'est très moulant. Je sais pas si. Bon, on va regarder celle-là pour changer un peu, mais. Ok. Il fait jour. Oh oui, aïe, 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 ça pique. Il fait jour, il fait jour. Oh, super, j'ai une mise à jour qui vient d'arriver. Alors, oui, c'est notre papa, ça, apparemment. Ça, c'est notre sœur, qui est mannequin. On va prendre une douche, hein, parce qu'après tous ces combats. Voilà, yes. Attends, elle se lave avec sa culotte ou c'est moi? Ah oui, mais elle a une culotte en plus, hein. Mais madame, elle faut. D'accord. Okay. On va dire que c'est un slip de bain. Elle aime pas trop voir sa propre nudité. Ah, mais c'était le monsieur qui avait balancé son ordinateur, je crois. Il n'y a pas de réponse après avoir frappé à la porte, mais vous pouvez entendre un son électronique bruyant lorsque vous êtes près de la porte. Vous écoutez attentivement, on dirait que l'espace derrière la porte est assez grand, beaucoup plus grand qu'il devrait normalement l'être. Ah ouais, l'autre, il a un putain de F5, quoi. Alors que moi, j'ai un petit F2, c'est ça. Putain, il y a des nains qui ont de la chance, ils ont des richoux. Alors, attends, il faut faire quoi? J'ai des points. Oh, j'ai plein de points, par contre. Et j'ai de l'argent. Je vois que j'ai de l'argent. Des indices et d'exploration, ok. Alors, attends, on va peut-être mettre des points dans la... Ah, la grosse épée. C'est la grosse épée, celle-là? Non, donner un coup de pied qui repousse l'ennemi et inflige des dégâts aux autres ennemis lorsqu'ils entrent en collision. Ah d'accord, ok. Ça vaut 100 points. Ouh, ça c'est la grosse épée. Déchaîne une puissante coup qui peut envoyer des ennemis légers dans les airs. Ah d'accord, ça c'est la version en haut quoi. Ok. Et j'ai un point que je pourrais améliorer dans la défense ou dans l'attaque. Peut-être la défense. Hein. Allez, on va mettre dans la défense parce que je suis très mauvais. On l'a bien vu. Oh, encore des crédits supplémentaires pour chaque piratage. J'avais envie de prendre ça quand même. Augmente votre puissance d'attaque pendant un laps de temps après une déviation réussie. Ah oui, c'est quand je fais un contre réussi quoi. Bon, on va prendre le truc qui fait qu'on fait avant carré là. Vas-y, on prend ça. Et l'épée, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On peut rien faire avec l'épée. Ok. Vitesse d'attaque lente. Oui, bah tu m'étonnes avec un gros machin comme ça. C'est un petit peu normal. Je peux pas faire de module, j'ai rien. Il me faut des plantes, des champignons. Ok, d'accord. Pâte d'ours. La légende dit que les élus peuvent obtenir des super pouvoirs en mangeant une pâte d'ours comme rite de passage. On peut pas le manger. Ok. Ici, d'accord. Ok, ça c'est plein de composants. Ok, d'accord. Ah ouais, ok, yes, vous avez trouvé l'une des 25 statues de... Ah, il y en a 5, 25 statues de miaou. Vêtements de sport. Vêtements de sport confortables pour la marche et la course, le préféré d'Anne. Oulala. Un fantôme noir légèrement déconcertant. Ouh. Ah oui, il y avait une mise à prix pour Derek Markham, aussi, qu'on avait piqué dans un épisode. Bon, pour l'instant, on peut rien faire. Il faut se diriger vers... Ah oui, il faut aller voir le doc, ok, il faut aller voir le doc. Eh bien, belle vue. Laissez-moi essayer un filtre obscurcissant. Toujours. Oh, stylé l'affiche. Génial, le dernier numéro de 96 points de fer est sorti. Je n'ai pas encore terminé le numéro précédent. Stylé. J'aime beaucoup. On va examiner un peu dehors. C'est toujours pareil. Il n'y a rien qui change. Hop. Ça, c'est vite. J'aimais bien son look d'avant quand même avec les longs cheveux. Mais ce style-là lui va bien aussi. Hein, mais avec la petite mèche bleue, j'aime bien. Les cheveux gris, bof. Cheveux gris et bleu, bof. Hein. Avec le noir, ça aurait ressorti mieux, je trouve, le bleu. Après, je dis ça, j'y connais rien en mode. Plus, la mode, c'est subjectif hein, quand même. Parce que
que des fois quand tu vois des femmes de mode là qui défilent avec des trucs fausse fourrure fuchsia, des trucs comme ça, tu dis oula, ça tu vas mettre ça dehors, ok, d'accord. Oh, il a un peu le tacon mais avec des cheveux longs, lui. Veste aveugle, il s'appelle veste aveugle, ok, d'accord. Eh, je sais que c'est vous. Je vais appeler la police et lui de leur demander d'arrêter tous ceux qui vivent au 8e étage. Attends, qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrêtez pas de jeter des ordures par les fenêtres. J'ai remplacé certaines portes par de nouvelles en tantale durcie au 2e étage et vous en avez brisé plusieurs. Alors c'est pas moi. C'est dans l'épisode 1, je crois, il y a un mec qui a balancé son ordinateur. Et oh, c'est pas moi. Je connais coupable si tu veux. Pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé? Mais puisque je vous dis que tout le 2e étage de cet immeuble est ma propriété, vous devez payer les dommages. Je viens de rénover certaines pièces avec des portes toutes neuves. Et vous, les gens du 8e, vous les allez briser en jetant vos ordures. Ah! Comment êtes-vous sûr qu'ils ont été jetés du 8e étage? Où sont vos preuves? Ma chérie et moi travaillons dans une agence qui entretient des liens étroits avec la police de Scope. Ils vont vous arrêter pour diffamation. Je vois, donc vous êtes tous les deux de l'agence. Je n'accuserai jamais personne sans preuve. C'est juste que ces chambres sont allouées, donc j'ai fait installer des caméras pour des raisons de sécurité. Et j'ai des images claires montrant que les ordures ont été jetées du 8e étage. Eh bien, puisque vous travaillez pour une agence et que vous savez que les flics ne s'occuperont pas de cette affaire, et si je vous embauchais pour trouver la personne qui a jeté les ordures, il y aura évidemment un paiement pour vous si vous attrapez le coupable. Marché conclu ? Ah, s'il y a du paiement, oui, je veux bien. Bien, je compte sur vous. Avec vous, comme témoin pour me soutenir, ces pourris de la police de l'espace n'oseront pas dire un mot quand je vais donner une leçon à ces salauds. Oh, regardez ceci. Quel genre de personne achèterait une telle camelote à Scope? Prenez-le si vous voulez. Je ne veux plus jamais le revoir. Ah. Mais chérie, si nous réussissons à le réparer, nous pourrons peut-être y trouver des indices. D'accord, nous devrions peut-être aller demander au propriétaire de la boutique d'antiquité Siberius. Juste, je parie qu'il saura d'où il vient et qu'il pourrait l'acheter. Ok. Ordinateur cassé, un vieux ordinateur quand même avec une putain d'écran cathodique. Hein. Un gros machin. Ok. Ah, on peut ouvrir ce coffre enfin. La dernière fois, on pouvait pas... Ah, il est fermé. Dans les changer de chaîne, voilà, est-ce qu'il y en a qui va être content? Oh, une petite fille! Anne, tu es vraiment douée! Je vais être comme toi un jour! Pourrais-tu me dire comment puis-je devenir aussi génial que toi? Juste me brosser les dents et ranger ma chambre tous les jours? Super! Non, il faut être une héroïne de jeux vidéo ou de manga. C'est très compliqué, faut que... Alors, tu grandis un peu, faut que t'attendes 16 ans parce que les japonais ils aiment bien 16 ans. Tu te fais pousser des gros boobs. Je te conseille combinaison moulante. Et voilà. Normalement, ça va être... Après, tu deviens une héroïne, normalement. Il y a toujours la dame qui attend son chauffeur. Oui, d'accord, ok, c'est une sauveuse. C'est une harceleuse, quand même, hein. Au secours. Alors, attendez, nous... C'est déjà... Il faut aller voir le doc, quand même. On va aller quand même au doc. Non, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Il y a des gens qui parlent. D'accord, ok. J'ai jamais été au bout. Oh! Bonjour, veuillez revenir pendant les heures d'ouverture. D'accord, ok. Elle a perdu sa mère? Je me suis dit, elle allait chercher des glaces. Regarde aussi, mais l'eau coule, non? Les miens tous à moi. Hé! On peut pas aller par là, ok. C'est pas elle, sa mère? Bienvenue à part du gâteau. Vous souhaitez-vous acheter un gâteau à la menthe? Ah non, c'est bon, j'avais déjà fait pour une bouche d'égout dans l'épisode précédemment. C'est bon. Voilà. Hé, ne t'inquiète pas. Je t'aiderai à trouver une petite amie bientôt. Ok. Parle.
Attends, je voudrais voir ma bouche d'égout préférée quand même. Mon ami, la bouche d'égout. Bon, il fait dodo. Hop. Oh, on peut toujours pas passer par là, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est ici. Je suis un con. Il y a un monsieur là-bas. Bonjour, êtes-vous un habitué? Je ne vais pas vous mentir, vous pouvez trouver des bons trucs ici. Je me demande qui les vend aux propriétaires. Il y a toujours des beaux trucs ici. Comme des bateaux de puces rares. Ok. Nous avons une vente pour les vieux appareils des commissions, ainsi que vos vieux trucs appareils de commission et vieux appareils méca. Même si, si patron est un humain, un ordinateur sans augmentation méca, d'accord, ok. Ok. Attends, peut-être lui parler pour l'ordinateur. Vendre des articles. Renseignez-vous sur l'ancien ordinateur. Tiens, on va en profiter pendant qu'on est devant. Hein. Au passage. Bonjour, vous vous souvenez de cet ordinateur? Ah oui, j'avais fait la voix d'Apu. Ah oui, n'est-ce pas? Merde, j'ai perdu la voix de... Merde, j'ai perdu la voix de Apu. Mais n'est-ce pas l'ordinateur rétro le plus populaire et le plus récent? J'en ai stocké un grand nombre juste derrière vous. C'est drôle, beaucoup de gens s'intéressent à ce modèle tout d'un coup ces derniers temps. Votre voisin de la chambre 710 en a commandé un pour une livraison à domicile l'autre jour. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez ce modèle aussi. Oh, c'est parce que je travaille sur une affaire à son sujet, alors comme ça, mon voisin en a un aussi. Eh bien, pourriez-vous me le réparer? J'ai besoin de voir si nous pouvons trouver des indices sur le propriétaire de cet ordinateur. Je crains que ce soit au-dessus de mes forces. Ce genre d'objet ancien est souvent fragile et celui-ci est très abîmé. Un instant, ce disque semble être intact. Quel disque? C'est un disque de jeu qui s'appelle Popcorn. Celui-là est super populaire de ces derniers temps. Au fait, Han, si vous n'avez plus besoin de cet ordinateur, pourquoi ne me le donnez-vous pas? D'accord. Ok. Et tu me le donnes contre de l'argent quand même? Ah. Pouvez-vous me donner cette dernière transaction? Ah, ça ne devrait pas poser de problème. J'espère qu'un excellent employé comme vous ne divulguera pas mes secrets commerciaux. Je sais que vous ne le ferez pas. Ces transactions sont mal écrites. J'espère qu'elles pourront vous être utiles. Bien sûr, merci. Main prosthétique, ok, d'accord. Explosion de maïs, vendu. D'accord. Article de type, ok. Vendu, ok. Zaymer, ok. Ok. Hey. On continue de poser des questions. Pouvez-vous me remontrer vos dernières transactions? Ah, c'est la nouvelle porte de problème. J'espère qu'elle est employée comme vous. Ah oui, j'ai déjà fait, d'accord, ok. Ok, alors il y a un truc à regarder, mais bon. Ok, bon, on peut pas faire autre chose. Du coup, on y va, on va dans notre cachette secrète. C'est parti! En avant les super nanas. Allez! Oh, ça pourrait être aussi le labo de Dexter. Allez, tin, tin, ta 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 ta. Ta-ta-ta-ta. Bon, c'est la musique des super nanas. Mais... Je me rappelle plus la musique du laboratoire de Dexter. Alors, c'est parti. Bon, rien de nouveau dans ce coffre. Alors, le doc, il va être surpris. J'ai changé de tenue et je vais changer de coupe en même temps. J'ai fait tout en même temps. Il y a là. Salut, doc. Qu'est-ce que je vais donner comme voix? J'avais une voix normale parce que ça me saoulait. Un instant, eh bien, c'est fait. La seconde phase est enfin terminée. Quoi qu'il en soit, que vous est-il arrivé? Votre ami Ayane m'a contacté en panique et m'a dit que vous viendriez pour un check-up. C'était la première fois que je la vois si anxieuse. Ce n'est pas si grave, c'est juste que mon entangéglitis devient plus fréquent. Ma cyberpsychose, quoi. Alors, je voulais venir faire un check-up. Oh, et j'ai eu un incident. Je crains que ma combinaison de combat ne soit endommagée. Je vois, s'il vous plaît, allongez-vous. Vous inquiétez pas, je suis docteur. Déshabillez-vous. Et pourquoi j'ai besoin de me déshabiller si je veux passer un scanner? Déshabillez-vous, je dis. On passe une petite IRM. Oh là là, IRM, c'est dur à dur, une petite radio, quoi. Les données ont été synchronisées, votre combinaison de combat devrait être impeccable. Mais il y a une énorme fluctuation dans votre cerveau pendant la synchro. Vous m'avez fait peur. Ne vous en faites pas, je m'en suis occupé avec mon parfait système Grom. Doc, qu'avez-vous appris? Les données ont été sauvegardées, mais il nous manque certaines données environnementales. J'ai oublié de vous dire la dernière fois, j'ai mis à jour le système il y a quelques temps.
La mise à niveau vous permet de scanner l'environnement et de la convertir en une carte de... J'ai plus le temps de lire. Avec des données environnementales plus précises et des informations sur votre corps. Je peux maintenant mieux analyser la cause de votre maladie. Vous dites que c'est pour analyser ma maladie, mais pourquoi ai-je l'impression que vous êtes en train d'ajouter une autre fonction de combat? Eh, ce ne vous regarde pas. J'ai fait des recherches sur toutes sortes de choses ma vie entière. Faites-moi juste confiance, d'accord? Eh bien, j'ai aussi commandé une nouvelle arme chez Zheimer pour toi. Ça m'a coûté une fortune. Tu as acheté quelque chose pour moi? Cela ne te ressemble pas du tout. Ah ah ah, je savais que tu n'allais pas me croire. Eh bien, c'était une suggestion de ton père. J'aurais dû deviner. Récupérer l'arme, l'arme recommandée. J'ai pas le droit d'aller là. Ok. On va aller voir le monsieur Rose. Mademoiselle Hunt, bienvenue dans le laboratoire du docteur Alan. Comment est ce système de test? En raison du problème avec le dernier test, le reste du système n'est plus disponible. Je vois. Par contre, c'est pas très centré. Je peux pas faire quelque chose pour les réglages pour. Non, ça va être directement dans, dans la console que je dois faire ça. Pourtant, la dernière fois, j'avais déjà fait. J'avais déjà pourtant recentré. Il y a des fois certains jeux, faut que tu les re-recentres. C'est chiant. Je sais pas si ça vous arrive. Vous, dites-moi dans les commentaires. Ah, ma stalkeuse. Hop là. Et on remonte. C'est parti. Hop là. Ah, on peut rejouer la serveuse, ok. Ok. On peut pas monter par là. Non, on peut pas monter par là. Ok, eh ben écoutez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est Kratos, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes qui vont sortir. Et voilà. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires dans les commentaires si vous avez déjà essayé le jeu, s'il est sympa. Apparemment, il y a pas mal de trucs positifs et je comprends. C'est un peu un RPG du coup. Des fois, il se passe pas de grands moments. J'en suis désolé. Des fois, il y a des combats. Des fois, il peut rien avoir, mais c'est un RPG. C'est pas grave, je continue quand même à faire des vidéos dessus parce que je trouve que le jeu est sympa à regarder, sympa à voir. Et voilà. Salut tout le monde et portez-vous bien.